Oh, bonjour à tous, vous êtes avec le Gratteur Fou. Mais là, je vais m'attaquer à un jeu un petit peu bizarre, un jeu qui s'appelle James and Riches. Donc, il restait 1032 du précédent jeu, donc on va tenter de faire fructifier ça. Alors, mise à 3, on va augmenter le coin value. Alors, mise à 40. Allez, des mises à 30, ça ira, c'est parti. Alors, coin value 5. Ok, si on clique, ça change. 2064 pièces. Hop, ok, ça sera affiche. Voilà, 50 centimes. Allez, 1032, c'est parti. On va attaquer avec des mises à 30. Donc, ici, on a la table de paiement. Le plus gros paiement, c'est 3000, donc 3000 pièces. Alors, on a aussi en bonus du jackpot. Bon, c'est pas 15 000 euros ici, c'est 15 000 pièces 50 centimes, donc 7 500 euros pour le lot maxi. Alors, win 15 balles. Alors, 4 ou plus. Pierre précieuse blanche, ça envoie la feature Hold and Respin. Alors, j'imagine qu'elles sont un petit peu rares, les pierres blanches. Voilà, on en a une. Il en faut 4, 4 ou plus. Donc, ça, c'est bien sûr l'option qui sort pas très souvent. Alors, hop, 150 balles. On avait 6, 6 pierres précieuses rouges. Allez, 90. Une quatrième, pas de quatrième. Alors, vu que là c'est marqué en euros, hop, ici est-ce que c'est les centimes ou les euros? Je vais essayer de mettre une mise à 1 euro pièce. Alors, ça ferait 500, hop, coin value 5 centimes, d'accord. C'est un peu trop. Allez, retour sur les mises à 30. Alors 15, 1017. Là, pareil, encore 15. On va peut-être tenter quelques spins à 50 balles, mais bon, c'est peut-être pas une très bonne idée. Enfin, on va voir. Alors, deuxième essai. Alors, une petite quatrième peut-être. Alors, est-ce qu'il va nous la lâcher? Ben non, malheureusement, il en manquait un. Alors, pas un seul win sur les mises à 50. Alors 1, 2, 3, 4. Et non, il en faut 5 minimum. Bon, de toute façon, ça aurait fait 10 balles. Alors 5 vertes, ça fait 5. D'accord, 5 euros. J'ai un peu l'impression de me faire escroquer au change. C'est pas un multiplicateur, mais un diviseur par 10. Allez, retour sur des mises à 30. D'accord, 3 euros. Alors là, ça en fait pas mal, 150 balles, d'accord. Alors encore du vert. Ben, je sens que pour gagner les 4 pierres blanches, peut-être ici. Alors, il va pas me faire un leurre à le changer de couleur. Eh ben, on en a 4, peut-être une cinquième. Bon, ben, déjà ça, on a gagné le Hold and Respin feature, c'est déjà ça. Allez, Respin Award, allons-y. Alors, si ça pouvait rapporter du lourd, ça serait pas mal.
Alors 142,50. Alors un respin de restant, il nous faudrait une petite pierre blanche. Voilà, parfait. On repart, j'imagine, sur 3 respins. Alors on a 240, ne pas oublier que c'est quand même des mises à 30. Alors parfait, hop. Alors 37,50, 75, 165,90. Alors un respin, une petite pierre blanche, ça serait pas mal qu'on puisse continuer le bonus. Et bien voilà, celle-là était déjà sortie, donc on repart à 0, bonus win. Alors total win ici 630. Et voilà, 630 balles. Alors 1393, du coup on fait un petit bénéfice parce qu'on avait commencé à 1032. Que faire? Continuer à arrêter ici. Bon, on va continuer un petit peu. Bon, c'est dommage que le bonus soit pas sorti sur les mises à 50 balles. On va peut-être reprendre le risque de jouer des mises à 50. Oh! Le quatrième, ça m'étonnerait qu'il sorte. Ah ouais, pas de bol. Alors après le bonus, j'ai augmenté les mises. Très peu de joueurs font ça. Mais bon, des fois, ça relâche un deuxième bonus quasiment d'affilée. Donc, on va tester, même si c'est pas garanti. Alors là, je suis toujours en pièce de 50 centimes. Moi, 2246, 1123. Allez, spin à 40, on entre deux. Alors, 20 balles de récupérer, la moitié. C'est vrai que c'est un petit peu original comme design de jeu, c'est un peu hors du commun. Bon ben le bénéf du bonus il s'est barré, c'est clair qu'avec les mises à 50, quand ça paye pas, voilà le résultat. Alors 5, 4 euros, pas énorme. Ah, 200 balles, 200 balles. Alors, 20 ici. Alors, mise à 100, un petit spin chance, on va essayer. Voilà, dommage. Résultat 0. Alors 1, 2, 3, 4. Ah ben non, on n'a pas eu le 3, 4. Allez, 7, 7, 7, le jackpot. Ah, 500 balles, pas mal. Pas mal, pas mal du tout. On remonte à 2277. Bon, bah, il manquait deux pierres rouges pour arriver à 5000 balles, mais... petit coup de bol histoire de regagner le bonus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 250.
crois, est de 5, 5 euros. Un, deux, trois. Et pas quatre. Alors, une, deux, trois. Ok, 250. Alors, 1487. Donc, vous pouvez continuer à se lancer, de gratter un petit peu de bénéf. Ouais, le problème, c'est que je fais un petit bénéf, mais avec les mises à 50, il suffit de quelques spins perdants, 5 ou 6, et hop, c'est réglé. Ça rebouffe le bénéf. 1, 2, 3. Oh, 1000 balles. Et voilà, c'était quand même prévisible. Alors, encore 500 balles. Ah, bon, du coup, 1736, je pense qu'on va en rester là quand même. J'avais commencé à 1032, donc ça fait un joli bénéf, un peu plus de 700 balles. Donc, autant en profiter, éventuellement se barrer pour tester un autre jeu. Bon, bah, celui-là, il est quand même un petit peu original. Ça mérite éventuellement de retester ça un petit peu plus tard. Mais là, quand même, avec 700 balles de bénéf, je préfère y aller mollo, me barrer et garder ce montant pour tester un autre jeu. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite passer un agréable après-midi. Rendez-vous à tous, enfin rendez-vous très bientôt pour de prochaines parties. Espérons pouvoir transformer le chiffre 1 en chiffre 2, éventuellement en chiffre 3. Ça va pas être gagné, mais on essaiera. Peut-être qu'avec un petit coup de bol, on pourra y arriver.